Alors là, c'est la grande finale, puisque pour l'instant, les Fidjiens sont en tête. Hein, ils ont 16 points, les Canadiens ont 13 points, les Tongiens ont 4 points, ont 10 points, pardon. Une victoire à Tongiens. Les Tongiens pourraient revenir à hauteur des Fidjiens. Dans son équipe, l'ancien international. L'ouverture française. C'est bien ce qu'ils font avec Fraser. Son côté gauche, c'est cette Fraser. On va revoir ce petit côté. Il casse le plaquage là, du numéro 15. Et parvient à aller dans l'ambute. Et vous l'aviez dit, hein, sur le Cipitao, vous aviez senti cette équipe tongienne très engagée, très concernée par ce match. C'est très bien sur la couleur des îles. C'est bien joué! L'accélération de Cyril Bobo qui était venu en plus un. Il y a des solutions extérieures, mais il va y aller tout seul. Cyril Bobo avec ses 37 ans et des pattes de genou. C'est beau, Cyril Bobo! Il a trouvé l'espace et ensuite il va au bout. Sernia Bay, c'est une sautée, une dans le dos. Du côté du Racing, on appelait ça à la belle époque, la Wellington. Et là, Cyril Bobo, il dépose tout le monde. En un contre un, il est très, très difficile à arrêter. Il n'a pas d'âge. Il n'a pas d'âge, Cyril Bobo. Regardez. On va essayer de venir le chercher. Yalame Tongi. Longhi, pardon. Iongi. Impossible de rattraper. Il est en Nililatou, son capitaine. Parker, les deux. Les yeux fermés. Et les Fidjiens qui ont pris une toute autre dimension. Et là, cette fois-ci, c'est Radidi qui s'échappe. Radidi qui va retrouver à l'intérieur. Napoloni Nalaga pour laisser le deuxième essai fidjien. Les trois quarts très efficaces, hein, côté fidjien. On voit le ballon perdu, qui, ouais, qui est disputé. Et là, il le récupère. Et ensuite, sur le petit côté, tout de suite, il se présente. Et là, Radidi qui va partir sur l'extérieur. Du coup, Napoloni Nalaga croise. Petite remise intérieure. C'est facile. Hein, c'est... Ah, bien joué de la part de Catini. Cyril Bobo. Cyril Bobo. Que va faire Cyril Bobo? Il revient à l'intérieur, à l'extérieur. C'est bien joué. Ah, il a du soutien. Il a du soutien, mais ça va être un peu trop tard. Non, c'est toujours dans le jeu. La passe, là, c'est beau. C'est beau pour Nadolo. Nadolo qui va contourner. Il va aller marquer. Mais c'est au milieu des poteaux. Nadolo, grâce à ce super service de toi, Patti. C'est superbe ce qu'ont fait les Fidji. Nakitani, on va le voir ici. Hein. La récupération du troisième in fidjien. Et qui va très très bien jouer et servir à Cyril Bobo. Et Cyril Bobo avec ses pattes de 20 ans. Regardez, il va temporiser. Il va retrouver du soutien à l'intérieur avec son jeune coéquipier Ravulo. Ravulo qui va servir le talonneur. Et derrière, Nadolo. Et Nadolo, il est énorme. Impossible de revenir le reprendre. L'essai de Nadolo. Concentré, trois joueurs sur lui. Bye bye pour retrouver cette fois-ci Ravulo. Ravulo qui retrouve à l'intérieur. Cette fois-ci, oh, c'est un 1-2. C'est un 2. Ravulo qui va garder le ballon, qui retrouve Natawalu. Natawalu, Sermiabai. Est-ce qu'il a des solutions? Oui, avec un. C'est dommage. Ouh, là, il a récupéré le ballon. Oh, c'est superbe. C'est superbe. Encore une fois, Napoloni Nalaga qui avait failli rater le ballon. Et les relais qui arrivent, le soutien, beaucoup de soutien de cette équipe fidjienne. C'est Mayabai tranquille qui regarde. Et Nalaga. Et on voit un Nalaga hein, qui au départ perd le ballon des yeux, puisqu'il regarde ses adversaires et du coup il a réussi quand même à le rattraper. Et il va marquer son deuxième essai personnel. Il faut mettre les deux mains, hein, monsieur Nalaga. Vous avez de la chance, vous êtes à l'aise. Et alors après derrière, hein, la puissance de l'ailier clermontois. Rafute. On vous l'avait dit hein, en début, en prémisse hein, de cette rencontre, les Canadiens ont 13 points. Alors, on regarde cette action. Est-ce que le ballon. Non, ils ont perdu le ballon. Hein, c'est ce que a dit monsieur l'arbitre assistant. On va regarder. Il a lâché le ballon certainement. Il n'a pas essayé, pas du tout. Oh. Ceci, il a été aplati. Je crois que l'arbitre a accordé l'essai. C'est une transformation. Un essai! Et c'est le métier de Kenatale. Et ce sont les Fidjiens qui remportent, Julien, cette Pacific Nations Cup 34 à 21.